Amandine. Amandine est architecte d'intérieur. Virginie et François ont fait appel à elle pour revoir un peu leur intérieur. Salon, salle à manger et bureau. Amandine va d'abord tout passer au crible, en commençant par des croquis à main levée, mais très précis. C'est vraiment représenter la pièce actuelle, prendre les cotes bien précises pour pouvoir après aménager et pas faire comme ça à main levée. Enfin, faire un aménagement qui ne rentrerait pas forcément, parce que la pièce est quand même pas très très grande. Donc il faut vraiment y aller au millimètre pour proposer au client quelque chose de logique. Ce matin, cet architecte d'intérieur ne travaille pas à son compte, mais pour celui de Mon Intérieur sur mesure, une start-up qui vise à démocratiser ce type de service chez les particuliers. Avec un forfait à 389 euros, ce couple recevra un book complet de leur projet. Pour Virginie, ce service, tout compris, était plus simple que d'aller frapper à la porte d'un cabinet d'architecte d'intérieur classique. C'est pratique parce qu'on n'est pas habitué ou on hésite à faire appel à des professionnels. Et là, sur ce format-là, il y a un forfait, c'est clair. Donc voilà, c'est ça, on sait à quoi s'attendre. Peut-être que nous, on n'a pas assez tenté de faire appel à d'autres. Mais là, comme ça, c'est plus rassurant. Ouais. Et l'idée est vendéenne. Jean-Baptiste Marceau, originaire du département, développe avec son associé ce concept depuis un an. Aujourd'hui basé à Paris, Mon Intérieur sur mesure a déjà fait ses preuves et aimerait se développer. En un an, on a déjà fait près de 150 clients partout en France, dont en Vendée. Et voilà, aujourd'hui, on est à un stade où effectivement, on a confirmé que le concept plaît. Et là, on est en train de rechercher des investisseurs pour franchir l'étape supérieure. Et continuer de grossir et de s'imposer en France. Virginie et François recevront bientôt leur book, de quoi se faire une idée précise. Liste des matériaux ainsi que leur prix, tout y est. Pour les travaux, ce couple a le choix de faire appel à un artisan ou de tout faire eux-mêmes. Ouais, cette hauteur-là, à peu près. D'accord, très bien.